Cette formation, qui met l'accent sur l'approche globale du management industriel en environnement complexe, concurrentiel et évolutif, a plusieurs objectifs. Le premier est d'appréhender l'activité industrielle dans sa globalité, qu'elle soit technique, économique et sociale. Deuxième objectif, comprendre et maîtriser les flux physiques et les flux d'information. Et enfin, acquérir la flexibilité, la capacité d'adaptation et la connaissance des différents secteurs d'entreprise. Cette formation s'adresse à des candidats de niveau Bac plus 5, issus d'écoles d'ingénieurs, de commerce, mais également des universitaires, mais aussi à des profils de Bac plus 4 à taux dérogatoire. Nous recrutons des jeunes en poursuite d'études, mais aussi des profils plus expérimentés. Mais bien entendu, dans les deux cas, la principale motivation est la même, à savoir acquérir une double compétence pour avoir accès à plus d'opportunités professionnelles. La formation donne accès à de larges perspectives professionnelles, que ce soit en France ou à l'international. Par exemple, responsable supply chain, responsable maintenance, responsable excellence opérationnelle ou amélioration continue, responsable de production, chef de projet, mais aussi au métier du conseil. En termes d'industrie, c'est assez large, que ce soit l'aéronautique, l'automobile, l'industrie pharmaceutique, le luxe, le transport ou encore la grande distribution. Et nous adressons également nos profils à des cabinets de conseil, qu'ils soient généralistes ou spécialisés en supply chain et excellence opérationnelle. Au niveau des thèmes abordés durant l'année, notre formation s'articule autour de plusieurs modules. Le premier concerne le management de production et de la chaîne logistique, avec des cours autour de la chaîne logistique bien entendu, du lean management, de la simulation des systèmes logistiques et de production, de la modélisation et de l'aide à la décision, mais aussi la maintenance des équipements et de la transformation d'une supply chain. Le deuxième module concerne la gestion de projet et les processus d'innovation avec des cours tels que l'analyse de la valeur, l'estimation et coûtenance, le management visuel, la conduite de projets de transformation. Un troisième module, lui, concerne les processus de gestion d'entreprise et des ressources humaines avec des cours dédiés à la finance, à la stratégie, au marketing, aux ressources humaines et aux achats. Un autre module concerne les compétences comportementales où nous allons aider nos étudiants à développer tout ce qui concerne les soft skills. Et enfin, nous avons une thèse professionnelle qui vient conclure le parcours à la fois académique et l'expérience en entreprise qui peut se faire sous forme de stage, bien entendu, mais également de VIE, de graduate programme, de CDD ou de CDI. Trois mots pour décrire la formation MIPSC, je dirais excellence, diversité et innovation.